Bonjour. Ça y est, enfin. Bon, j'ai la voix cassée, du coup je peux pas trop parler les mecs, je suis désolé. Voilà. Enfin. J'espère le son il va pas être trop fort non plus. Mais vas-y, ça devrait aller. Et je vais essayer de survivre. Oh la musique! J'ai limite eu des minutes de silence, tellement c'est incroyable. Bon, ça va être compliqué, mais j'ai la voix cassée de ouf. Je me rappelle même plus si c'était un ronflex, un goinflex de base. Certaines personnes vont ok, bah ça on connaît. En fait, c'est exactement pareil hein, que. Bah, c'est un remake, donc bon. Il n'y avait pas ça avant. Bon, on va faire comme d'hab, on s'appelle Maxi. Hop. Oui. Par contre, je crois que j'ai pris le bon PNJ. Hein. Franchement, j'étais à deux doigts de l'appeler Pané, ce qui est une tête de con. Mais vas-y, on va l'appeler. Comment on peut l'appeler? Mais non, mais. On va l'appeler Maurice. Ça lui va bien Maurice en vrai. Je crois que son vrai prénom de base c'est Enzo, non? En français. Je crois que c'est Enzo. Je suis pas sûr. En vrai. Mais bref. Ton aventure sur le point de commencer. Et moi je veux la télé là. Avec le Léviathan rouge, je sais pas trop quoi. Ben voilà. Le Pokémon Chromatiras, je suppose, lui attend rouge. Et je crois que c'était pas exactement ça avant. Mais bref. Oh, c'est moche. C'est beau. Ouais, c'est ça. À la prochaine. Même heure, même chaîne. Ouais. La musique, on sautait. Oh là 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 là. C'est incroyable. On peut aller dans le lit? Ah non, on peut pas aller dans le lit. Ah si. Oh la tête. Oh c'est incroyable. J'ai envie de pleurer. Monte le menu. Ah j'ai 8000 poké dollars. Ok. Les paramètres. Déjà on va changer un truc. On va mettre rapide. Type de fenêtre. Type 20 comme d'hab. Ah il y en a plus. Non. Oh j'adore lui. Non attends. Animation de combat évidemment. En vrai j'ai envie de leur faire. Oh c'est stylé. Ok, surnommé à la capture. Est-ce que je vais les renommer, je pense pas. Capteur de mouvement. Désactivé. Je pense que c'est bon. Ça doit être bon. Voilà. Donc sauvegarder c'est R. Ok. Oh, on va aller voir la mama. Je sais pas si je vais renommer le Pokémon. Maurice. Ça me fout droit. Par contre, on n'a pas de casquette. Chiant. Moi, pour être attaqué, très bien. Bon, je sais quel Pokémon je vais choisir, en toute façon. C'est pas beau hein. Par contre hein, vraiment c'est vraiment pas beau. Faut que j'achète je crois mais je dois faire ça d'abord non. Ok. Oh, il est moche. Oh. 10 000 poké dollars, ok. Ah, tu vois, ils ont fait des efforts, ils ont bougé la caméra. C'est vraiment incroyable.
C'est d'un retard 100 000 bouquets de dollars. Ah ouais, le mec il en a rien à foutre. Tu me donnes pas un truc toi? Non. De toute façon, je crois qu'il n'y a aucun PNJ qui donne un item à bon augure. Je me rappelais même plus c'était cette ville. Oh, la musique! Oh, c'est incroyable, bref. Bref. Bon, de toute façon, faut qu'on aille à la courage, je crois. Je me rappelle plus. Oh là là, c'est incroyable. Par contre, la manière où il marche, il y a un problème. Oula. Oh, salut Sliraft. Regarde, on passe à travers. Bon, j'ai la voix cassée, mais bref. Est-ce que Sliraft, le son est bon et tout? N'hésite pas à me dire. On passe littéralement très bien, c'est vraiment chouette. Ouais, on va se taper l'éviateur rouge qui est pas du tout là, mais bref. Oh, le professeur Sorbier. Il est moche. Oh, il est moche, le professeur Sorbier, sérieux. Il est vraiment pas beau. Hein. Mais en fait, c'est comme le Zelda qu'ils ont fait là, en 2019, là, Link's Awakening. Autour de l'écran, enfin, autour du jeu, enfin, ouais, autour de l'écran, c'est flou. C'est flouté. Ils ont fait exactement pareil. C'est dommage, j'aime pas trop. Putain, mais pourquoi on n'a pas de chapeau? C'est quoi ce bordel? Ah, et Sliraft, tu l'as déjà fait le jeu ou pas de base? Sur DS? Ouais, ouais, ils vont nous attaquer, on connaît. Tiens, une mallette. Ils sont oubliés de mallette, ils sont vraiment cons, hein, par contre. Ah, ça m'avait manqué, ça. Ok. Ah, là, c'est le show, alors. On est parti. Une vraie question, est-ce qu'on pourrait les voir en shiny comme ça? Ah, ils sont pas beaux. C'est pas beau. Vas-y, à toutes, Sliraft. Bon. Eh ben, je vais prendre... J'hésite entre deux Pokémon. Je vais pas prendre Tiplouf, parce que je l'aime pas. Il est trop surcoté. Mais... Ah non, vas-y, moi je prends Tortipousse, hein, c'est mon Pokémon de cœur. Hein. Allez, Tortipousse, on va lui défoncer sa mère, c'est pour lui. Oh, y a aucun style. Oh, c'est pas beau, c'est pas beau. Oh, mais bref. On aime Pokémon, hein, c'est le plus important. Coup critique, ah ouais. Fais-moi voir l'animation de repli. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. C'est trop nul. Bref. On va avoir des problèmes, mais non, chill, chill. On a juste volé des Pokémon. Ah oui, faut aller heal. Faut aller voir la Daronne, je pense, pour aller heal le Pokémon. J'ai trop la voix cassée, c'est affreux. Je suis désolé. On sait pas. Rien encore. Ah d'accord. Attends, on peut lancer des combats? Non, je crois que Monsieur Sorbier nous attend là.
Ah ouais, là. Il est horrible, le professeur Sorbier. Ah, il s'en fout. Pardon, je suis en train de mourir. Oui, on va visiter, t'inquiète. Moi, j'aimerais tellement savoir les Shiny comment ça se passe. Ouais, on va rentrer, t'inquiète. On va se faire TP. Là, très bien. Maurice, y'a rien qui va. Re-Sliraft. Le son du jeu et le son de ma voix, c'est good ou pas Sliraft, si jamais. Ouais. Ok, on va aller à Littorella, machin. Oh, on peut courir! Incroyable! Incliné le joystick. Est-ce qu'il n'y a pas une option pour courir automatiquement? Ah, mais c'est déjà le cas. Par contre, on n'a toujours pas le chapeau, tu sais. Trop chelou. Ah non, mais les Minecrafters. Mais ouais, j'avais arrêté de live longtemps. Bah t'as vu, hein, on a perdu tous les viewers. On a perdu tous les viewers. En vrai, ça, avant, on était à 20-30 viewers, c'était pas mal. Et vu que j'avais fait une pause pendant longtemps, bah ils sont tous partis, tu vois. Et bref. Mais bref, bon, allons voir le professeur Sorbier. Et il y avait un PNJ. Ouais, ok. Ici, il n'y a rien, je crois. Ouais, ouais, elle est pas très forte. Après, je peux augmenter, mais... moi, je vais le mettre à fond. Voilà, je l'ai mis à fond. C'est horrible. Il n'y a pas d'item ici, hein. Je crois qu'il n'y en a jamais eu, de toute façon. C'est dommage. J'aurais pu mettre une connerie. Oula, il y a un bug. Trop chelou. Oh, le connoteur, il est chelou. Il est bugué, on dirait. Ouais, t'es toujours là, Sliraft. T'es le gars sûr. Eh, j'en peux plus de ma voix, hein, vraiment. Et ça fait deux fois que je me prends un coup critique, hein, sérieux. De toute façon, je pense que je vais XP comme un gros porc, les Pokémon. Ok. Donne-moi une potion. Merci. Ah bon, pourquoi faut que tu réinitialises ton PC? Toi, t'as toujours des problèmes avec ton PC, hein, ce que je vois. Ok, bon bah on est arrivé. Au secours. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Maurice. Je vais essayer de le renommer le Pokémon, quand même, ça peut être drôle. Ouais, vas-y, on va lui donner un surnom, ça peut être drôle. Tant il pousse mal. On va l'appeler... Ah ouais, mais c'est vrai que c'est Torterra, son nom. je suis pas inspiré. C'est toujours la même en fait. Vers le mois d'avril ou mai, ça fonctionne nickel. Sauf qu'au bout d'un moment, il recommence à se chier. Ah, mais c'est chiant ça. Ah, bah oui, il faut s'investir dans un nouveau PC là.
T'as pas le choix là, frérot. Comment je peux l'appeler, cet abruti de tortipousse là? Tortipeux. On va pas te donner surnom, en vrai, on s'en fout. Hein. Je vais réfléchir plus tard si j'ai envie de renommer. Bon, oh, elle va nous faire chier à visiter le truc là. T'inquiète. J'ai envie de voir à quoi il ressemble le Pokédex. 60 ans. Ah, elle a pris tout plouf, elle, du coup. Vous faites rien, vous? Bon, bref. Alors, sur Steam, il y a quelques jours, ça me disait que Mako était déjà en dessous de Tonien et ça prenait beaucoup trop de temps pour faire une mise à jour. Ah ouais. Bah là, c'est la connexion, là, le problème. Après, ça peut être ton PC aussi, mais... Mais bref. Oh, mais on sait que c'est un son Pokémon, putain de merde. Ah oui, il faut prévenir la famille, ok. Bon, je crois qu'il y a un item en bas. Du coup, je vais aller voir. Et oui, il y avait un item. Bon. Allons voir la daronne et on va lui dire au revoir. Et on revient plus jamais. Parce qu'on l'aime pas, la daronne. S'en fout. Nous, on veut choper des pokéfions et défoncer la ligue. Ah, moi, je me casse, je t'aime plus. Des notes d'aventure. C'est quoi ça déjà? Alors, vous trouvez des sortes d'informations utiles dans votre note, vous y accédez. Ok. Il s'est séparé. Ok, je vais lui donner. C'est quoi déjà? Le colis. Ah oui, le colis, on va le donner à l'école, c'est vrai. Mais je crois que j'ai même pas de Pokéball, hein. Mais tu peux me lâcher l'anus? Ah bah oui, on a le chapeau. Il est vraiment pas beau. Oh putain de merde. Alors, carte dresseur. On peut pas laver nos badges? Oh, j'espère qu'on pourra laver nos badges. Attendez. On peut pas signer, par contre. Ça, c'est dommage. On peut pas signer. Ah bah, ça marche pas trop, la 4G depuis le téléphone. Hein. Pour être honnête, j'ai déjà essayé, ça marche pas trop. Bon. Bon, de toute façon, l'objectif, ça va être finir le Pokédex, de toute façon. Hein. Bon. Alors, du coup. J'aimerais voir un truc... C'est dans sac. On a 10 potions, ça c'est bien. Mais on peut pas attraper de Pokémon. Ok, bon, on s'en branle. On va aller tout de suite acheter des Pokéballs. À la limite, les potions, on s'en fout.
Je peux en avoir 40. On va en acheter une quinzaine, ça devrait suffire au début du jeu quand même. Et potions, j'en ai déjà 10. Antiparage, j'en ai acheté. Non, non, non. 2, 3, ça suffit, je pense. Antidote, j'en ai qu'une, donc on va en acheter 3 aussi. Et potions, dizaines, ça suffit largement. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Enfin, je peux pas trop parce que je suis quand même dans un genre de studio, donc les voisins ils risquent d'entendre. Et ça peut être très relou. Voilà. Bon, elle va expliquer comment capturer un Pokémon, c'est vrai. J'ai un peu la flemme. Mais il y a un problème avec Xenotor. Son dos, on le voit à travers. C'est trop chelou. C'est trop lent. Ah mon dieu. Donc c'est cool, il y a un raccourci pour lancer la Pokéball, ça c'est bien. Et c'est bien parce qu'il ne nous montre pas du tout le raccourci, c'est ça quand même. En plus, je suis débile, j'ai acheté des Pokéballs, mais je crois qu'elle va en donner Aurore. Je m'en rappelle plus. Et voilà. Bon, faut qu'on capture deux Pokéfions ici. Même Konotor, on va le prendre. On s'en fout. Hein. Bisous, Aurore. Ciao. Bon les amis, il est temps de capturer des Pokémon avant de faire le premier combat. Du coup, elle a pas donné de Pokéball, je crois. Hein. Oh, mon dieu. Je vais le choper, lui. Ah, t'as 5000. Attends, c'est quoi déjà les points? J'avais mis quoi, moi? Emoticône, mode de jeu sur le Minecraft, grade VIP. Ah ouais, putain, j'avais mis ça comme récompense de points de chaîne. En vrai, je mettrai des trucs mieux un jour s'il y a plus de gens qui viennent sur mon stream. Bon, là, je vais le choper, ce bâtard. Économise pour le grade VIP. Je crois que je peux mettre que 10 personnes pour le grade VIP, sachant que j'en ai déjà une 3 ou 4. Niveau 6. C'est parfait. Feuillage. Depuis quand il apprend feuillage? Depuis quand il apprend feuillage dans... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il apprend jamais feuillage niveau 6. Hein. Attends, mais... Le lanceur attaque l'ennemi avec des feuilles. C'est physique. C'est de la merde. Pourquoi ils ont mis feuillage? Vaut mieux attendre niveau 7 pour trancher, non? Ah, les tournis, voilà. Bon, j'aimerais que ça soit un mal, hein, par contre. Ah bah parfait. Oh, niveau 4 en plus, c'est parfait. Ça fait quoi si tu branches deux écrans? Tu branches deux écrans? Ça dépend pourquoi. Si c'est pour jouer genre un écran avec ton PC et une télé. Bah si t'as un bon PC, t'auras un double écran quoi. Et si ton PC est pas ouf, bah tu risques d'avoir des chutes d'FPS sur ton jeu quoi. Et voilà, on a tourné. C'est incroyable. Je me faisais à lance, ouais, mais avant. Est-ce que maintenant ça marche toujours? Du coup, il tourne, je vais le garder dans mon équipe.
Et j'ai rangé Connaughton. Non, Connaughton, on va le garder pour l'instant parce qu'on s'en fout. En vrai, essaye. Hein. Peut-être que ça marche toujours, mais ça m'étonnerait. Oh, le bruit que ça fait. Je vais parler au PNJ pour voir ce qu'ils disent. Vous dites, hein. Et ils ont toujours mis les ascenseurs. Bon, on s'en fout. Essaye. Je vais mettre Etourmi devant. Je vais les entraîner. Ça fait quand même. Mais le problème d'Etourmi, c'est que je crois que quand il est en étouffateur, il garde le type normal. Et même chose pour Luxray. Donc ça peut être très chiant. Le combat d'Etourmi, quoi. Incroyable. Il baisse mon attaque, mais c'est vraiment une salope. Putain, mais c'est bon là. Oh, mais quel enfer! Ok, c'est bon. Oh, mais il y a le multi-expérience. Oh, quel enfer! On peut pas désactiver ça, sérieux. Il est... Il est même pas disponible. C'est quoi ça? Ah, objet de combat, ok. Ah, mais c'est nul. Bah non, j'ai regardé. Hein. Oh, on peut pas désactiver multi-expérience, trop chiant. Trop chiant. Par contre, c'est vrai que je trouve Lixi quand même. Que Lixi doit être trouvable normalement. Putain, il m'a fait mal. Donc, je pense pas que je vais le tuer là. Je pense qu'il faudra deux coups, peut-être. Non, ça passe. Niveau 5, parfait. Il apprend vive attaque, ok. Ah bah d'accord. Putain, les étourmis quoi. Je pense pas que vive attaque je vais les faire plus mal. Hein. De toute façon, il m'a fait rugissement, donc c'est chiant. Les animations sont à chier, par contre. Hein, vraiment, ils sont cons. Ils sont vraiment pourris, les animations. Ça passe. Ça m'aurait dû brancher. Qu'est-ce que ça donne, du coup? Niveau 7... Ah, il apprend pas d'attaque plante, genre trancherme. Peut-être niveau 11-12. Oh, mais Connaughton. Mais il est mal modélisé, hein. Connaughton, je suis désolé. Hein. Il est vraiment mal modélisé. C'est trop chelou. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de soigner? En vrai, non, ça devrait le faire. Un Lixi, s'il te plaît. Ah, mais putain, mais... Mais Lixi, normalement, il est trouvable, je crois. Je suis pas sûr.
Oh, mais ça doit être infernal de tout réinitialiser à chaque fois. Mais c'est bizarre en fait que tu dois tout réinitialiser à chaque fois. Je pense qu'il y a d'autres solutions quand même. Ah, il doit le tenir normalement. Voilà, il le tient. Ok. Que de tort. Ouais, c'est bien. Je vais tenter de. Encore une fois, quand même. Ah, bah, quand même! Il est là! Il est là, le petit Bixi! Oh, l'intimidation! Oh, c'est trop fort! Bah, c'est parce que le disque dur, il a quand même 7 ans, mais du coup, bah, il s'affaiblit. Bah, tu penses que c'est quoi? C'est un PC portable ou c'est un PC fixe que t'as? Parce que sinon, je suis un technicien. Enfin, bon, technicien, n'importe quoi. Informaticien, il te change le disque dur. En vrai, hein. Allez, let's go! Rejoins-nous! C'est un fixe. Bah, c'est changeable alors. Je crois, hein. Il capte plus la clé USB. Ah ouais, non, mais là, il y a un. Ouais, y a un. T'as pas le choix, faut que tu changes là. En plus, c'est compliqué parce que tu peux même pas le revendre. Genre, même si tu vas à Easy Cash, ils vont dire bah ça marche pas. Non, à la limite, ce que tu peux faire, c'est que bah. Un informaticien. Hein. Seule solution. Hein. L'informaticien, il peut faire un truc. Mais ça risque de coûter cher. Ils vont reprendre. Ils vont à Easy Cash, ils vont te reprendre 10 euros. Bah, si t'as beaucoup de défauts sur ton PC fixe, je suis même pas sûr qu'il le récupère. Il faut que tu vois la réparation de ton PC fixe. Voir. Et j'en peux plus de ma voix, hein. J'ai complètement cassé. Attends, j'essaie un truc. C'est marrant parce que ça zoome l'écran quand t'arrives dans une route. Et quand t'es dans une ville, ça dézoome. Intéressant ça. Ouais, mais ça coûte cher en vrai les PC. Hein. Après, ça dépend ce que tu veux comme PC. Est-ce que t'aimerais quoi comme PC? Tu sais quelque chose ou pas? Bon, c'est vrai que lui, il apprend étincelle. J'ai éclair, lol. Putain, mais il a tenu de ouf, les tournées. Mais tu sais que là, j'ai un PC portable, non? Dis-toi, j'arrive à stream Minecraft. Bah, regarde, avec ma Switch, j'arrive à stream avec mon PC portable. Après, je peux pas stream n'importe quel jeu PC, hein, par contre. Oui, non, je continue à traîner un peu. Ouais, j'ai aussi sur lequel je vais dessus, mais c'est le PC du lycée. Ah oui, ça c'est chiant par contre. En première, toi, c'est les rafts cette année maintenant. Attends, terminale, ouais, il y a le bac. Oh, il y a le bac en fin d'année. Courage. C'est un bac général que tu fais, toi, en plus, les rafts? Oh, il tient de ouf le éclair. Ah ouais, le coup critique, j'allais dire, attends, je l'ai intimidé, puis le gars il me met tout ça de dégâts, pas normal.
Attends, bac pro, c'est vrai. Putain, tu m'avais dit que t'étais en bac pro dans l'informatique, non? Système numérique, non? C'est pas un truc comme ça? Ça va faire déjà 40 minutes, je suis en live, putain, mais quel bordel. Ah, t'es dans la vente! Putain, mais jure, tu fais un bac pro-vente? Mais ça va, t'aimes bien, en vrai? Parce que la vente, en vrai, c'est pas simple, en vrai. Genre, t'as fait des stages dans les boules. Attends, je rêve ou... J'ai cru qu'il y a eu un gros bug de ouf. Ça va, j'aime bien. Bon, cool alors. Et bon. Ah ouais, donc bac pro-vente, quoi. Putain. Allez, c'est. Ah, t'as un oral et tout à faire, non? Ils ne veulent pas de ma clé USB. Pourquoi ils veulent pas ta clé USB? En plus, t'as un oral à passer, mais un oral hyper sérieux, je crois. Donc, tu dois présenter ton entreprise et tout. Je suis pas sûr, c'est un truc comme ça, je crois. Bon, il monte de niveau 8, c'est très bien. Attends, c'est les PC qui veulent pas ou c'est les profs qui veulent pas? Je pense que c'est les PC. Les profs, ils sont pas assez cons pour dire bah non, on veut pas de ta clé, quoi. Sachant qu'il y a ton travail dedans, quoi. Oh, le Lixi, incroyable. Bah, en vrai, faut changer de clé USB, mec. En vrai, tu changes juste de clé USB. Tu mets tout sur ton PC. Et tu prends une autre clé et tu mets tout dans ta clé, quoi. Te fais pas chier, hein. Ah, le PC veut pas. Oula, c'est chelou, là. Là, c'est bizarre, par contre, si ton PC veut pas. Sinon, ce qu'il faudrait faire, c'est que tous tes dossiers qui sont dans ton PC, que tu as envie de mettre sur ta clé, genre tu l'envoies par mail à quelqu'un, et du coup, le gars il va recevoir sur son PC par mail et il met dans une clé. Voilà. Ça, c'est une solution, mec. Mais c'est chiant, ouais. Tu peux pas mettre sur un cloud en ligne. Hein. Parce que c'est sur cloud. Ah, mais t'as un PC. T'es chez Apple alors? Je sais pas si éclair ça fait plus de dégâts. Mais moi je pense vraiment que ça marche. Niveau 7. Putain, mais... Que niveau 7, quoi. Tu vas sur Google, t'écris par exemple Mega et t'as Cloud en ligne gratuit qui s'appelle. Ah bon, je connais pas du tout. Vraiment. Bon, moi du coup, moi j'aurais essayé ça, moi tu vois, j'aurais envoyé par mail à quelqu'un, tu vois, et il met sur sa clé. Après, ça dépend ce qu'il y a quoi dans ta clé, quoi, de base. Parce que si c'est juste du genre du LibreOffice ou tu vois, ça passe crème, tu vois. On continue à train. Hein. Peut-être aller là quand même pour que ça change un peu. J'aimerais bien qu'il soit au moins niveau 10. Hein. Peut-être un peu moins quand même, faut pas déconner. Bah c'est chelou, et ta clé pour le coup, je sais pas en vrai.
Bah t'as sûrement peut-être un virus, en vrai j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je sais pas, ta clé USB a le coronavirus, j'en sais rien. Ça doit être l'enfer. Il y a 0,20, non, je fais stream toute l'après-midi Pokémon. Je suis un grand malade, hein. Vraiment. On va continuer à XP jusqu'au niveau 8 en tête. Allez des Pokéfions! T'aurais dû mettre un masque, c'est ça? Il aurait fallu mettre un masque. Moi aussi j'aurais dû mettre un masque là, parce que là la gorge ça va vraiment pas. En plus, tu sais, genre ce matin j'ai taffé et j'ai commencé à 5 h du matin. Et je te vois, tu sais, je taffe avec quelqu'un. Et j'arrive, le gars il me fait, bon bah je suis malade, j'ai de la fièvre et tout. Donc tu risques d'être malade aussi. Ah j'étais là, ah ça va être trop bien. Oh merde. Je me demande si la prochaine route des Pokémon ne sont pas un peu un niveau plus élevé quand même, parce que bon, niveau 4, on va pas s'en sortir. Ah ouais, là, faut investir hein, sur un PC, hein, je pense. Niveau 8, bon, allez, on va lui péter la gueule au dresseur. Sur le PC du VCL ne marche pas non plus, ouais, c'est trop bizarre. Premier combat. Il a été remis normalement niveau 7 ou 6, je crois. On va lui renvoyer Alexis dans sa gueule. Niveau 5, c'est de la merde. Putain, il est plus rapide que moi. Mais mon Lixie doit être hyper lent. Ah, par contre, il a one shot. Bah attends, mais c'est quoi ce bordel là? Rachi. Je veux savoir pourquoi mon Lixie il est hyper lent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Résumé. Il est du coup. Ah, il a 12. Par contre, en attaque physique, il est monstrueux. Hein. Il a une défense de merde. C'est ça qu'on aime. Ça me fait chier, par exemple, la vitesse, il a que 12. C'est pas ouf. Après, je sais plus si quand il évolue, ça va changer. On va lui péter ses gueules, là aussi. Oh, je mettrai là sur YouTube la rediff. Rien à foutre. Ah ça va, je suis plus rapide que lui quand même. Hein. Après il est niveau 3. Hein. Bon. Normalement voilà, la deuxième Connotaur. On va spammer éclair. Hein. Ok. Là, y a rien. Fight encore.
Oh merde, il a un Alexis. Hein. Ça va être chiant. Oh, il m'a retiré 3 PV, je crois. Bon, normalement, je devrais le tuer. Ok. Neuf, voilà. Check le gamin. Je vais mettre Étourmi devant. Alors, par contre, on est d'accord, le Pokémon, il suit pas encore derrière. Ok, il y a un item là. Potion. Attends, ah j'ai pas vu, on peut y aller en... comme ça, ok, j'ai pas fait gaffe. On arrive à féliciter, incroyable. Maintenant j'ai mon chat qui vient se coucher sur moi. Ah mais c'est trop bien. Mais tu sais que je suis allergique aux chats moi malheureusement. Alors j'aime bien ça quoi. Même si ça sert à rien les chats, on est entre nous, mais je trouve que ça sert à rien. C'est juste un... En fait tu te reposes sur le chat en fait, j'ai l'impression. Bon... du coup, faut trouver les. J'ai pas suivi, mais je crois qu'il faut aller voir Belladonis. Je crois qu'on va le croiser ou faut aller à l'école. Je sais plus. Elle m'intrigue trop, elle. C'est rempli d'amour, hein, chien. Bah oui, mais bon. En vrai, tu vois, quand tu pars en vacances pendant longtemps, en fait, genre, quand tu pars en vacances pendant des semaines et que tu rentres, et ben le chat s'en fout de toi. Il va rien faire. Alors un chien, ben le chien, il va te faire la fête, il va te sauter dans tes bras et tout, il va être trop content, en fait. Le PNJ m'a fait rire. Faut que je trouve les... Oh, ils tiennent une Switch. Excellent. Avant, c'était des DS, mais là, ils tiennent une Switch. Il faut que je trouve... Qu'est-ce qu'elle veut... Mais non, mais... Oh, mais t'es chiante, putain. Il est où, Belladonis? On voit pas maintenant, ok. Est-ce que, du coup, toi... Ah, il faut aller au dresseur, ok, ok. Moi j'ai heal, c'est bon. On va aller à l'école, puis on va aller taper les dresseurs. Hop, il y en a deux à taper, je crois. Je crois que le mec il a un Abra et l'autre je sais plus ce qu'il a. Il a pas d'attaque le Abra, je crois, il a que téléport. Il a peut-être... Non, il a pas préscience. Donc j'allais dire préscience, mais pas du tout. Oh, la défonce de merde. Oh, il l'a tué. Niveau 9. Ah, ça, c'est bien cruel. Hop. Qu'est-ce qu'elle a? Abra aussi, ok. Je m'en rappelais plus. Est-ce que Cruel, je vais le one-shot? Je pense que oui, il y a moyen. Et voilà, on l'a dégommé.
Ouais, tu m'apprends rien. Ok. Y a pas quelqu'un qui donne un truc? Ah oui, c'est vrai, il fallait lui donner le colis, j'avais oublié. On obtient une carte. Ah, ça y est, on a la carte. Alors, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. On va regarder à quoi elle ressemble, la carte. Oh, incroyable. C'est joli. Mais tu te rends compte que en vrai la région de Sinnoh elle est vraiment petite. Hein. Elle n'est pas vraiment grande, je trouve. Hein. Ça c'est nouveau ça. Ah non, l'île de Fer, non, je connais. L'île de Fer, pour moi, c'était plus vers la gauche. Non, il n'y a pas de nouveau truc en vrai. Hein. Là-bas, c'est là où il y a Itran. Et sinon, ouais. Hein. Sinon, citons, il n'y a pas de nouveauté. Hein. On couronnait. Ok. Ok. Ah, c'est lui qui va te donner la Pokémontre. Ok, donc faut aller voir les mecs là, les bouffons. Attends, Pokémon devient-il PV en gagnant du coup là? Oui, bien sûr. Ok. T'as vu, elle a le Pokémon à côté. Je sais pas comment on fait. Alors, un Pokémon petit, c'est-à-dire un objet, oui. Et il faut trouver le dernier qui est plus vers la gauche, je crois. Il est là. Attends, le cavalier a-t-il des types comme... Oui, toujours. Ok. Pokémontre, du coup, qui va être en haut à droite de l'écran, normalement. Alors, Pokémon, en plus, sur un, pour utiliser la Pokémon touche l'écran, vous lancez. Je vais essayer la Pokémon pour voir. Ok. C'est nul. Bon, là, on s'en fout à la limite. Voilà. Oh, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah, la Pokémon en haut à droite, c'est... J'aime pas du tout. Vraiment, j'aime pas. Vraiment, je trouve ça horrible. C'est pas beau. Est-ce que... Mais oui, mais tu vois rien qui est en haut, putain. On peut pas l'enlever? Je trouve ça affreux. Oh là là, on peut pas l'enlever. Quel enfer! Antipara, ok. Bon, Alexis, on s'en fout en vrai. Je vais laisser Tourmi devant parce que, genre, je sais qu'aux prochaines villes, il pourra pas faire grand-chose. Vu que ce sera type roche et sol. Que de tort. En plus, je crois qu'on va affronter Maurice là. Ça va donner pas mal d'XP, ça. Vas-y, essaie de sauvegarder. Est-ce que ton PC va survivre? Je vais switch avec Lixi devant. Bien, on se tape, on se castagne.
Et j'en peux plus de ma voix, c'est horrible, j'ai trop mal à la gorge. Oh, Magikar, mon dieu. C'est tellement impressionnant. Bon, bref. Je pense qu'il a deux Magikarp. Vu de la gueule de son équipe, Trempette, oui, oui. De toute façon, ça donne vraiment que dalle en XP, ça. Ça donne combien, en vrai? Ah, oh, ça va, en vrai. Et tourné. Ok, ça va être pas mal. Je pense le one-shot, hein, logiquement. Ok, c'est bon, ça passe. Niveau 10. Bon. Je voulais mettre Tortipousse devant. On va taper la nana. Est-ce que Éclatrox est obligatoire en CS pour avancer dans l'aventure? Je crois pas. Puis, de toute façon, je crois que maintenant il n'y a plus de CS. Ça va être Castorno. Putain, Rose Bouton, mais qu'est-ce qu'il est moche. Attends, croissant, ça lui fait quoi déjà? Ça manque quoi? L'attaque. De toute façon, il a quoi? Il a Volvi au pire. Hein. Je pense qu'il a charge. Donc on s'en fout. Allez, ça dégage. Et niveau 10, c'est incroyable. Croissance, ok. Je vais switch avec Étourmi devant là. Attends, mais du coup, on peut avoir des Pokémon là, non? Ah, bah, il y a un item déjà. Mais non, mais. Alors, apparemment, j'ai vu des tweetos qui ont dit que c'est infernal dans les grottes pour se déplacer. En vrai, ça va. Ah, pourquoi j'ai pas de Pokémon là, par contre? S'il vous plaît. Ok. Ah, le plan derrière, il est stylé de ouf. Je vais pas faire cruel parce que je pense que je le one-shot. Ah bah yes. Coup critique. Bah, il y a des racailloux, je pense, dans la zone. On va se faire abscire à caillou et c'est tout. Hein. Ah là, il est niveau 6. C'est plus intéressant en plus. Ok, le tien, parfait. Hop, on le capture. Tu déconnes, Seraft. Tu viens de péter ta clé USB, là? Ben voilà. Ah, Nosferati. Ah, je peux pas faire bouger Nosferati. Dommage. Bon, bref. Oh non. Il a tout cassé, Slyraft. Bon. Bon, si j'ai pas de Dracaio, je vais quitter la grotte.
Ah, voilà. Ça va être compliqué parce que je vais faire aucun dégât. Bon, ça devrait rentrer facilement maintenant la Pokéball. Et voilà. Je crois que de toute façon, dans la zone, il reste plus gros bouton à choper. Hein. Puis on est bon. Ah mais j'ai pas fait gaffe, mais en fait, on gagne de l'XP en capturant des Pokémon. J'avais pas du tout fait gaffe. Ok, c'est bon, il le tient. Bon, ça va rentrer, voilà, très bien. Ok, ok. Ah, ça donne de l'XP hein, quand tu captures. Hein. Niveau 11, ok. On va l'envoyer dans le PC. Bon, on va aller heal ce bordel. Puis je vais le mettre dans le Pokédex. Oh, salut, marche. Mec, t'as vu auquel je joue? Ça marche très bien. Alors, il y aura juste un truc, je vais juste relancer le stream, genre ça va durer juste 2 secondes. C'est juste pour que ça fasse juste un cut, parce que ça fait plus dur, je stream. Mais tranquille, je vais cut juste avant la route. Accéder, on va déplacer ce bordel. Hop. Oh, c'est joli. Putain, je me rappelais plus loin qu'avec ça. C'est trop beau. Ah, par contre, c'est lent hein, pour te déplacer. Bon, ça, c'est moche. Hein. C'est moche, 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 moche. Ouais, c'est pas beau, ça, par contre. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas beau. Hein. Mais tant pis, on s'en fout. Ils sont niveau 11. On va mettre Lixi devant. Bon, je vais save ici, du coup, sauvegarder. Bon, c'était rapide. Bon, je relance juste le stream. À toutes. Enfin, bref. Faites F5.